Nous nous lançons dans ce secteur afin d'aider, premièrement afin d'aider. À part ça, nous le faisons parce que dans la Bible, quelque part, on nous recommande de visiter les orphelins. Je crois, Jacques 1, 27, la Bible nous recommande que la religion pire et sans tâche consiste à visiter les orphelins et les veuves. Voilà pourquoi on le fait. Je dirais que ce n'est pas la première fois de faire une action. Bien sûr qu'on ne date pas longtemps en matière de fondation. On ne date pas longtemps, mais ça, je dirais, c'est notre deuxième action. En matière de fondation, c'est notre deuxième action. Bon, je dirais présentement non. Parce qu'en matière des appuis, il n'y a pas que des autorités. Mais avec quelques personnes, oui. Mais j'en profite pour demander aux autorités de cette ville, de ces pays, pourquoi pas du monde entier, de voir ce que nous sommes en train de faire et de nous soutenir. Bon, sans toutefois mentir, je dirais, présentement non. Ce n'est pas mon idée de me lancer dans la politique, non. Mais je le fais parce que avec la vie que nous menons, chacun a toujours eu des passions et des rêves. Moi je le fais parce qu'en étant petit, j'ai rêvé de faire ces choses. Mais si Dieu nous fait grâce, si Dieu nous permet de nous lancer dans la politique, pourquoi pas? Bon, mon appel est de demander aux autorités de ces pays, des gens au grand cœur, pas seulement aux autorités, parce qu'il y a aussi des gens au grand cœur qui ont toujours voulu soutenir les orphelins, les enfants démunis. Vraiment, qu'ils nous soutiennent, parce qu'on fait déjà du bon travail. Oui, ça je suis conscient qu'on fait déjà du bon travail. Et c'est juste de voir et de reconnaître, vraiment, qu'ils puissent nous soutenir. Avec leur soutien, on va encore faire de grandes choses. Merci à vous également.